le monde, bienvenue dans la suite de la carrière Project Cars. On enchaîne avec l'avant-dernière manche de cette saison. On a repris un petit peu les rênes du championnat avant la finale à Spa-Francorchamps. Direction le circuit urbain de Long Beach. Alors ça va être très intéressant de suivre cette course. Pourquoi ? Eh bien parce que on va pouvoir, je l'espère, profiter de la longue et de l'immense ligne droite pour se montrer un peu plus rapide que nos adversaires. Mais attention, parce qu'au bout il y a un gros freinage, et on le sait que nous les freinages, c'est loin d'être notre moment favori sur le circuit. Allez, place à la séance qualificative où on va devoir tenter d'aller arracher un beau chrono pour continuer de garder la mainmise sur ce championnat. Mais avant, il va falloir mettre la voiture en température, et j'ai peur qu'elle soit un petit peu trop vivace pour le tour de sortie avec les pneus froids. Donc on va éviter, voilà, de bloquer les roues, et on va y aller tout doucement pour la mise en température. Allez, les pneus sont pas dans la température idéale, mais on va essayer de signer un beau chrono. Le passage de la fontaine, on va être gêné un petit peu par Ringley, qui est devant nous avec la voiture de l'équipe Yokohama. Alors on est un peu plus rapide que lui, mais une fois de plus, comme je le disais en intro, on est peut-être un petit peu mieux en ligne droite, même beaucoup mieux. Malheureusement, sur les freinages, c'est vraiment pas la joie. Allez, le passage dans la grande courbe. Et on fait pour l'instant le deuxième temps. Et là, on est en train d'améliorer un petit peu. Dans notre deuxième tour, les pneus sont un peu plus chauds, peut-être un peu trop d'ailleurs à l'arrière, pour ajuster un peu la pression. Allez, il nous reste moins de 10 litres dans le réservoir. On est au mieux de notre forme, 4 dixièmes de mieux. On est en train d'aller chercher une potentielle nouvelle pole position. Très bien pour le moment. On va quasiment aller mettre une seconde de mieux, alors qu'on est tombé au troisième rang général. L'épingle, et on relance. Allez, on va mettre une seconde de mieux. Ça nous met 7 dixièmes devant nos deux poursuivants. Et bien voilà, pour cette séance, on n'aura pas bataillé de trop face à une IA, qui est rehaussée à 110 et une agressivité à 85. On a réinstallé entièrement le jeu, vous le savez, après le changement de carte mère, et je crois que ça a fait un peu de nettoyage dans la gestion de l'IA. Effectivement, on est en pole position devant les deux voitures du team Eblix. C'est pas mal, avec Almeida que l'on devra surveiller comme Justin Gay. Derrière, on retrouve les autres. Ringley quand même 6ème, c'est pas mal. Villroon, on va le rechercher, doit être un petit peu plus loin. Van Ruyen, notre équipier, 18ème. Et oh oui, il y a du monde derrière, effectivement. Donc ouais, ça s'annonce assez sympa pour cette avant-dernière manche que l'on va tenter de remporter avec, on le rappelle, cet arrêt au stand obligatoire. Oh, un temps de réaction un peu faiblard à l'extinction des feux. Et tout de suite, Ricardo Almeida qui prend le meilleur, et Patrick Stippel également. Parvient à protéger de Casey Ringley. On plonge dans le premier gauche. Et on manque de bloquer les roues. Et attention, oh, le contact avec le mur pour la voiture de Patrick Stippel. Est-ce qu'on peut en profiter en lui récupérant la deuxième place? C'est chose faite maintenant. On se retrouve derrière la monoplace de l'équipe Eblix, qui est en tête. Donc maintenant, Ricardo Almeida
Derrière, on a donc Patrick Stripple, Justin Gay, 4e, et le top 5 qui est complété par Casey Ringley. À nous maintenant d'aller amener cette voiture sur la plus haute marche du podium. Ça va pas être simple parce que Ricardo Almeida est bien en maîtrise de son élément. Et on va voir surtout au niveau de la stratégie d'arrêt qui va rentrer plus tard, qui va rentrer plus tôt. Y aura-t-il quelque chose à tenter si le leader entre tour va rentrer peut-être un peu plus tard, histoire d'avoir une piste dégagée. Premier tour couvert donc dans cette 4e manche de la saison Almeida. On est deuxième devant Stripple, Gay et Ringley. Et on va tout de suite aller chercher l'extérieur ici pour pourquoi pas prendre la tête. Ce serait pas mal. Et on freine allègrement par rapport à notre adversaire. Hop, le passage de La Fontaine, ça glisse un petit peu. Et bien voilà. Hop, nous voilà bien en maîtrise de notre affaire. Alors attention, dites-vous que ça n'est pas gagné, loin de là, parce qu'il y a toujours l'arrêt au stand pour lequel on est assez mauvais dans l'équipe. Donc on perd toujours 4 à 5 secondes au box. Donc là, on peut compter qu'on est déjà 4-5e. Piste dégagée devant nous, pas de trafic pour le moment. Deuxième boucle en tête donc. Le troisième partiel avec une demi-seconde d'avance sur Ricardo Almeida. Et le passage tout de suite à l'utilisation du Kerr. C'est parti. Alors si vous vous demandez pourquoi ne pas avoir rallongé la boîte pour profiter un peu plus. Hop, la bosse est terrible de ce Kerr. Eh bien c'est simple, le reste du circuit permet à la boîte de s'exprimer pleinement. Je pense que quelques secondes, quelques dixièmes de secondes en sur-régime ne changera pas la face du fonctionnement de la voiture. J'espère qu'on ne cassera pas le moteur, mais il n'y a pas de risque normalement. Et pour cette division, on a retiré les dégâts afin de ne pas avoir de carnage. A l'air de bien s'en sortir. Il y a déjà des pilotes qui sont au box. Et l'un des premiers aura été Ricardo Almeida. Notre principal adversaire. Donc c'est excellent pour nous. Bon, maintenant qu'on tourne sans trop se poser de questions. Espérons que la voiture ne surchauffe pas trop au niveau des pneumatiques, même si je vois qu'on est déjà bien au-dessus des fenêtres recommandées. Hop là, et première grosse frayeur. Ah, et avec les pneus qui surchauffent, on manque de se mettre tout simplement au tas. Allez, passage. Il y a Benitez qui continue en deuxième place pour les autres. C'est le passage au box et ce sera pour nous à la fin de ce 5e tour. Pour la simple et bonne raison qu'on commence à entrevoir du trafic et des retardataires et que ce serait idiot ou bête d'aller rester au contact de ces voitures qui ne vont faire que nous ralentir finalement. De Yann Bell et de Philippe Dufour par exemple. L'arrêt au stand est donc confirmé. On va pouvoir plonger à droite tout après l'épingle. Meilleur deuxième partiel pour le moment. On continue. En attendant le moment critique qui va arriver dans quelques instants. Le passage par la voie des box. On prépare
le pit limiteur pour éviter d'avoir des problèmes. On croise une dernière fois les mains. Allez, on est pas mal. Et on doit maintenant patienter le bout de cette pit lane. Alors qu'on regarde en haut à droite de l'écran le nom des pilotes qui gravitent autour de nous. On n'est pas les seuls à opter pour un arrêt dans le cinquième tour. On voit qu'il y a d'autres voitures qui vont stopper. C'est le cas des voitures qui étaient derrière nous. Junior Basilio. Je croyais que c'était Junior. Non. Junior Basilio qui prend encore du temps pour rentrer. Voilà, on va laisser passer les mécaniciens de l'équipe derrière nous. Et nous, on va stopper ici. Et on va prendre 4 gommes neuves sur cette voiture numéro 11. Tout se passe bien pour le moment. Va-t-on avoir un arrêt parfait dans cette saison? Eh, c'est pas mal! Alors, où sont les autres? Ça passe pour la voiture d'Almeida. Et on quitte la pit lane en troisième position. Et ici, il faut rester bien à droite jusqu'ici. Voilà, c'est la loi. Et on tombe même derrière la voiture de, je crois, de Ringley. Voilà. Et c'est là qu'on se dit que maintenant, on a 5 tours pour aller chercher. Le temps que les pneus ne soient pas trop chauds et ont bien de la gomme sur leur surface de contact. Allez chercher nos adversaires, ils nous emmènent dans le mur. Belle défense de Casey Ringley. Allez, on réattaque maximum maintenant. Vous voyez qu'être en tête d'une partie de la course ne veut pas dire que c'est gagné sans aucune difficulté. On a l'une des pires équipes au box, hein, je le rappelle. À l'intérieur, on passe. Allez, devant, il y a encore des pilotes qui doivent stopper. Il y a Fernando qui est au box. La bosse qui fait toujours autant de dégâts. Septième boucle. Il nous en restait moins de 4 pour aller chercher les voitures devant nous. Et on est vraiment à l'aise. Et ça, c'est incroyable. La voiture de Justin Gay devant nous. Ça rentre pour les hommes de tête. Ça rentre pour les hommes de tête qui n'étaient pas encore passés par la voie des box. Comme le veut la réglementation. Petite erreur, je ne veux pas rentrer au box, je vous rassure. Je vais simplement utiliser le bout de Kers. Voilà, box cancelled, pas de problème. Et on va repartir, voilà, allez, on envoie la sauce. Il y avait encore des pilotes qui devaient rentrer, c'est fait. Notre tour le plus rapide aujourd'hui, on bourre le bouton 312, c'est notre VMAX. Pas vous proposer plus aujourd'hui, mais on est au contact de Justin Gay, la deuxième voiture de la structure Eglix. Qui va sans doute aider Almeida à tenir en nous protégeant bien de le dépasser. Un petit peu compliqué sur ce coup-là. Allez, ce serait bien d'aller chercher la troisième place de Justin Gay au moins. Ricardo Almeida qui est deuxième. Ah, et Junior Basilio. Pourquoi Junio? Je ne sais pas, mais Junior Basilio, allez, qui est. Hop, qui mène pour l'instant sa barre. Va-t-il ressortir en même temps que nous? Ça m'étonnerait, il n'avait pas tant d'avance que ça. Donc techniquement, on est troisième. Justin Gay, deuxième, donc les deux pilotes de l'équipe Eblix sont devant, alors qu'il va rester deux boucles à parcourir sur ce circuit de Long Beach. On efface Junior Basilio. Et on essaie de mettre la pression sur Justin Gay. Deuxième. Oh, il y a des possibilités d'aller chercher cette monoplace avant la fin de la distance allouée. Hop, attention, piégé un petit peu là. La glissade.
Hop là, allez. Là, c'est du temps perdu. Un peu de survitesse dans la dernière épingle. On va entamer la dernière boucle avec toujours Ricardo Almeida qui est en tête. Dernier tour pour aller chercher cette deuxième place. Ça va pas être simple. Ça va pas être simple. Il faut faire une excellente sortie de la dernière épingle pour espérer aller le chercher. Là, je surconduis un petit peu. Ça se voit de toute façon. Ricardo Almeida qui va avoir course gagnée dans ce dernier tour. On ne pourra pas aller chercher la voiture de Justin Gay, en dépit d'avoir tout tenté. Ça ne suffira pas. Victoire donc de Ricardo Almeida devant Justin Gay. On prend la troisième marche du podium. Et bien, ce que l'on peut dire, c'est que le championnat est plus serré que jamais avant la finale sur nos terres à Spa-Francorchamps, puisque l'on n'a plus que 8 petits points d'avance sur les deux voitures du Eblix Racing Team, avec donc un Justin Gay, 3ème à 47 points, qui peut toujours avoir son mot à dire. Par contre, derrière, c'est vrai qu'avec 31 points, Nils Ruijs, qu'on a vu beaucoup en début de saison, mais finalement, maintenant est un petit peu rentré dans le rang, n'a plus tout à fait les cartes en main pour décider de la fin de ce championnat. Le Eblix Racing est logiquement en tête et sera plus que probablement champion, étant donné que notre équipe a encore fait une performance incroyable, étant donné qu'il est à la 16ème place générale. On va voir ce que va donner la finale qui aura lieu donc à Spa-Francorchamps en Belgique. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode de la carrière Project Cars. On reprend petit à petit les bonnes habitudes et je vous donne rendez-vous très vite pour le prochain épisode. D'ici là, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et on se donne rendez-vous donc à Spa pour la finale. Bon amusement en piste les amis, quel que soit votre simu favorite. À la prochaine, ciao.